Philippe Albera, je suis né à Genève, bien que de nationalité française, et j'enseigne dans les hautes écoles de musique à Genève et à Lausanne, après avoir créé plusieurs institutions musicales, contrechamps, archipel, et fait toutes sortes d'autres travaux liés à la musique contemporaine. Je suis arrivé dans le travail de médiation tout à fait par hasard, parce qu'on m'avait proposé de collaborer à une manifestation qui avait lieu à la salle Patino et qui s'appelait Cinéma et musique. Et ça m'a donné l'idée, à ce moment-là, de l'organisation des concerts. Mais plus profondément, je crois que ça vient du fait que je n'étais pas très satisfait d'avoir une carrière de musicien. J'étais clarinettiste, je fais des études au conservatoire à Genève. Et j'avais envie d'avoir un rapport plus large à la musique, donc j'ai fait de la musicologie. Et puis, j'enseignais au Conservatoire Populaire à Genève, déjà à ce moment-là. Et le fait d'avoir été mêlé à l'organisation m'a donné envie de défendre la musique contemporaine à Genève, où il n'y avait plus rien, quasiment. Et il y avait d'ailleurs très peu d'art contemporain, d'une manière générale. Donc là, on est autour des années 1976-1977, qui est la création de Contrechamps. Et au départ, donc, l'idée était de mettre la musique en rapport avec les autres domaines de la modernité, donc de faire du théâtre, du cinéma, de la danse. Et c'est comme ça qu'a commencé Contrechamps. Donc un peu, ça a été vraiment une chose un peu par hasard. J'étais assez jeune, j'avais 25 ans, donc c'était pas du tout prémédité. C'est-à-dire qu'au moment de la création de Contrechamps, j'avais envie que Contrechamps s'articule de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'il y avait les concerts proprement dits, la stimulation de la création locale. Bon, il n'y avait pas beaucoup de créateurs locaux, à vrai dire, mais il y en a un certain nombre qui sont nés en quelque sorte, qui se sont développés plutôt grâce à Contrechamps. Mais je voulais aussi qu'il y ait un volet d'information, de réflexion. Et ça a été la création de la revue Contrechamps, dans un premier temps. Il y a eu la création de l'ensemble Contrechamps, également parce qu'au début, Contrechamps, c'était juste une association qui organisait des spectacles, hein, puisqu'il y avait à la fois musique, théâtre, danse. Et puis, très vite, on a réuni un certain nombre de musiciens locaux pour former un ensemble. Ce qui me paraissait normal que d'aider les musiciens d'ici à la réaliser, cette musique. Et puis peu après, on a fait la revue Contrechamps, d'ailleurs que j'ai réalisée au début avec en grande partie des élèves que j'avais au Conservatoire Populaire. C'est une question intéressante parce que précisément au moment où j'ai commencé, la musique suisse, c'était une musique en grande partie assez conventionnelle, parfois même assez, je dirais, conservatrice, pour ne pas dire parfois carrément réactionnaire. Et il y avait toute une génération de compositeurs qui tenaient un peu les instances de la musique suisse et qui n'avaient pas des idées très ouvertes sur ce qui était en train de se passer depuis déjà pas mal d'années à travers l'Europe. Et il y avait une figure qui était une figure d'ouverture, c'est Klaus Huber, qui a d'ailleurs dirigé certaines institutions suisses, mais qui finalement a trouvé un poste en Allemagne et qui a trouvé cette reconnaissance plutôt en Allemagne. Et c'est d'ailleurs le compositeur qu'on a invité dès les débuts de Contrechamps à venir à Genève. On avait fait des créations de ses pièces. Et puis, j'ai découvert un peu après l'importance de Heinz Holliger, qui était plus connu comme oboïste que comme compositeur, et qui était très apprécié comme oboïste et pas du tout comme compositeur. Et donc, il est devenu un compagnon de route à partir d'un moment donné. J'ai beaucoup travaillé pour faire en sorte qu'il soit reconnu comme un des grands compositeurs de notre époque, ce que je pense qu'il est. Mais ces deux personnalités étaient vraiment deux personnalités qui étaient un peu uniques dans le domaine suisse, disons à ce niveau de qualité, d'universalité.
Et il y avait bien sûr d'autres personnalités, comme à Genève, Éric Gaudibert, qui était quelqu'un de très bien aussi, de très engagé. Mais beaucoup des postes dans les conservatoires ou à la tête de certaines institutions étaient tenus par des gens tout à fait conservateurs, hein, on va dire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans la période où moi j'ai essayé d'œuvrer pour développer la musique contemporaine à Genève et en Suisse en général, est née toute une génération qui est une génération tout d'un coup qui était ouverte à ce qui se passait, enfin qui s'est arrimée au mouvement européen. Et je dirais même qu'il y a eu toute une émergence de personnalités très fortes qui sont apparues à partir des années 70-80, et ça a continué. Des gens comme Beat Fuhrer, par exemple, du côté suisse-allemand, Michael Jarrell, avec qui j'ai travaillé à contre-champ, c'était un étudiant, moi c'est comme ça que je l'ai connu, et puis j'avais remarqué qu'il avait quand même un talent un peu particulier, donc je l'ai poussé à travailler, même à partir, travailler avec Klaus Huber en Allemagne, mais il a participé à l'organisation des concerts de contre-champ. Au début, on est devenu très vite évidemment amis, et on l'a évidemment beaucoup joué. Donc c'est des personnalités comme celle-là qui tout d'un coup ont représenté la musique suisse, et c'était une musique qui était à l'unisson de ce qui se passait en Europe, c'est-à-dire, bon, c'est toujours difficile de définir par des termes, mais qui était une esthétique vraiment moderne. Et il y a eu vraiment un développement considérable de ce point de vue-là en Suisse, si bien qu'aujourd'hui je trouve que il y a énormément de compositeurs de grands talents qui sont présents sur la scène internationale. Et je dirais même que la Suisse, qui est toujours un peu, qui se singularise toujours d'une certaine façon, elle a été à l'écart des mouvements musicaux européens pendant assez longtemps, mais maintenant, elle est peut-être plus résistante par rapport à une esthétique moderniste que certains autres pays. Donc il y a une activité que je trouve vraiment intéressante, très, très vivante. On est dans une période assez difficile à définir aujourd'hui parce que il y a beaucoup d'individualités dans la musique contemporaine qui sont indépendantes les unes des autres. Les mouvements sont finis quasiment. Et en même temps, il n'y a pas beaucoup de débats, il n'y a pas beaucoup de discussions, il n'y a absolument aucune polémique. Tout le monde se tolère, en quelque sorte. Et en même temps, il y a des différences énormes entre les options de ces différents compositeurs. Et il y a à la fois un plan de recherche, notamment dans le domaine des musiques électroniques ou de l'hybridation entre électronique et instruments. Et en même temps, il y a parfois des esthétiques du retour à des choses traditionnelles, à des formules plus aisées. Alors il y a des polémiques qui renaissent régulièrement. L'abandon de la tonalité était une absurdité. Il faut revenir à une musique plus naturelle, plus ci, plus ça. Et voilà, ces choses coexistent actuellement. Donc c'est difficile de trouver quelle est la direction. Le public est restreint, évidemment. C'est une musique qui concerne un public assez limité. C'est une musique qui a de la peine à s'introduire complètement à l'intérieur même des écoles de formation. Il y a une grande difficulté avec la musique qu'on ne rencontre pas dans la danse ou même dans le théâtre ou encore moins dans les arts plastiques. Il y a une sorte de résistance, comme si l'abandon de la tonalité qui date de plus d'un siècle avait été une rupture qui n'a jamais été comblée, en quelque sorte. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, dans la vie musicale, jouer du Schoenberg, les gens préfèrent ne pas le faire, les organisateurs de concerts, parce qu'ils ont peur que les gens ne viennent pas. C'est une musique qui n'apporte pas le plaisir attendu par le mélomane moyen. Et une grande partie du répertoire de la musique de la deuxième moitié du XXe siècle, après la Deuxième Guerre, est totalement inconnue des mélomanes. C'est même affligeant de voir à quel point il y a tout de même des œuvres absolument magnifiques dans la période qui va des années 50 à aujourd'hui. Il y a des compositeurs qui sont de très grands compositeurs, comme Boulez, Ligeti, Carter, etc., pour prendre des gens qui ont leur œuvre derrière eux, ou qui sont morts déjà. Et ces gens-là ne sont pas joués dans les institutions, en tout cas, surtout, je vais parler de Genève, hein, puisque on est ici, mais je dirais même d'une façon générale en Suisse, la bataille est encore loin d'être gagnée de ce point de vue-là. Donc,
on a beaucoup plus de peine à rendre les gens contemporains de leur époque que dans d'autres domaines. Et je suis toujours triste de voir que quand on va dans les musées, il n'y a aucun problème. Il y a des classes à qui on explique des tableaux modernes, non figuratifs ou de différents styles artistiques contemporains. Et on a beaucoup de peine encore à pouvoir le faire dans le domaine musical. Ah ben les projets, moi je suis en train d'écrire un livre sur un compositeur que j'aime beaucoup, qu'on a aussi beaucoup défendu à contre-champ, qui est Stefano Gervasoni. Donc la chose la plus immédiate, c'est que j'arrive au bout de ce travail. Je m'occupe toujours d'éditer des livres, donc l'idée étant de mettre à disposition les informations sources, les informations de base sur la musique du XXe siècle. J'élargis le contemporain au XXe siècle, parce que contemporain, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Et voilà, bon, parmi les projets immédiats, mais j'ai des tas de projets de livres et une des choses que j'aimerais faire à un moment donné, c'est mettre par écrit tout le travail de médiation que j'ai fait, puisque j'ai donné énormément de conférences, de cours, de présentations de concerts, etc. Et je me suis rendu compte à quel point c'est nécessaire et à quel point c'est un problème. Enfin, c'est une chose qui me préoccupe beaucoup, d'autant plus que moi, je viens d'un milieu où il n'y avait pas de musique. Donc, ça ne m'était pas naturel d'être dans la musique. Mais je vois bien et je comprends d'ailleurs que des gens qui ont un intérêt pour cette musique d'aujourd'hui n'ont pas le temps de se renseigner, de comprendre les différences entre les compositeurs, de savoir comment écouter les œuvres, parce que suivant les choix que le compositeur a fait, on a des choses différentes à écouter. Il faut avoir un certain angle d'écoute et si on vient avec un angle d'écoute qui est appliqué à Beethoven ou à Brahms, on risque d'avoir quelques difficultés à comprendre le sens de certaines œuvres. Si bien que je pense qu'il y a un énorme travail à faire aussi pour réconcilier un peu cette musique avec, avec la jeunesse tout simplement. Et moi, en enseignant, je me rends compte à quel point les jeunes gens que j'ai devant moi, qui sont pourtant des musiciens, donc qui se destinent à la musique professionnellement, sont totalement coupés de l'histoire de la musique de leur siècle. C'est pas seulement la musique contemporaine, c'est-à-dire celle qui se fait aujourd'hui, c'est l'histoire de la musique contemporaine, donc d'un siècle de musique. Et là, il y aurait un travail énorme à faire, en utilisant d'ailleurs les supports actuels, modernes. Et voilà, bon, donc c'est une chose, si j'ai encore la force de le faire, que j'aimerais bien faire, tout simplement parce que ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des œuvres absolument superbes. La musique d'aujourd'hui parle de notre situation, des problématiques auxquelles on est confronté. Elle est en phase avec des éléments qui sont dans la science, dans la philosophie, dans la littérature. Et elle est tellement absente du débat intellectuel, elle est tellement loin des choses qui sont discutées intellectuellement que on ne prend même pas connaissance de ce qu'elle a à nous dire. Donc je trouve ça un petit peu regrettable. Et puis aussi parce que si la musique contemporaine n'existe pas, ça veut dire que toute notre culture musicale est morte, quelque part. Enfin, qu'elle est derrière une vitrine. Qu'elle est un objet d'archéologie, qu'elle n'est plus une chose vivante.